la libération de tous les prisonniers politiques et de toutes les personnes détenues suite aux manifestations des 19 et 20 août 2017. Cette nouvelle mobilisation historique témoigne de votre indéfectible adhésion à notre plateforme revendicative et de votre détermination sans faille en tant que force vive de la nation à mener le combat pour arracher le Togo des griffes de l'oligarchie qui nous gouverne depuis plus de 50 ans. Cette puissante mobilisation est également le fruit de la volonté désormais inébranlable de tous les partis politiques de l'opposition démocratique, au-delà de leurs spécificités et de leurs particularismes, de mutualiser désormais leurs forces et leurs énergies autour de l'objectif commun que nous nous sommes fixés, celui de mettre un terme définitif au régime RPT uni pour engager irréversiblement le Togo sur la voie de la démocratie, de l'état de droit, le projet de loi qui sera soumis au référendum. Fort Nassimbé, fort pouvoir, par ce nouveau subterfuge, duper une fois encore les Togolais et gagner du temps en annonçant un hypothétique référendum au résultat connu d'avance, compte tenu de la perversité d'un système électoral entièrement sous le contrôle du gouvernement. Qu'en 2015, le groupe des six, le PNP, Santé du Peuple et le CAR, ainsi que toutes les organisations de la société civile et de la diaspora, tiennent à réaffirmer solennellement leur détermination à poursuivre avec encore plus de vigueur leur combat à vos côtés, aux côtés du peuple togolais, jusqu'à l'aboutissement de leur revendication. Cette revendication, vous les connaissez, le retour à la constitution originelle du 14 octobre 1992, la révision du cadre électoral, y compris l'instauration du droit de vote pour les Togolais de l'étranger, le déverrouillage des institutions de la République et la libération de tous les prisonniers politiques et de toutes les personnes détenues suite aux manifestations des 19 et 20 août 2017. Nous vous invitons par conséquent à rester fortement mobilisés et à ne pas céder face à la barbarie et aux actes antipatriotiques d'un régime RPT uni en perdition. Pendant qu'il est encore temps, nous lançons un ultime appel au chef de l'État afin qu'il prenne la mesure de la grave situation qui prévaut actuellement dans le pays et sorte de son entêtement pour tirer les leçons de l'histoire qui nous apprend qu'aucune dictature, aussi sanguinaire soit-elle, n'a jamais pu avoir raison de la volonté de tout un peuple.